Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu tiens encore à moi. J'essaye simplement de me racheter auprès de toi, Félix, pour mes erreurs passées. Et dès qu'on sera sorti de ce pétrin, je ferai tout ce que je peux pour me faire pardonner, je te promets. Tu n'as pas à faire ça pour moi, Mélissa. Savoir que tu m'aimes encore me suffit. Dès qu'on sera de retour à Manille, on pourra reconstruire notre vie. Toi, moi et Eva. Tu imagines une nouvelle vie pour tous les trois. Mais Félix, comment est-ce qu'on va pouvoir reconstruire notre vie vu la situation? Je suis toujours mariée à Roberto. Et il ne s'arrêtera jamais tant qu'il ne nous aura pas séparés, crois-moi. Je ne t'aurais pas emmenée avec moi si ça n'avait pas été dur de te sauver de lui, pour que tu sois heureuse. Je t'aime plus que tout au monde. Et je ne supporte pas de te voir souffrir à cause de lui. Félix, Roberto n'est pas notre seul problème dans cette histoire. Tu t'es aussi échappé de prison. Il n'y a pas que Roberto qui te court après, tu sais. Il y a aussi la police. Comment est-ce que tu veux qu'on finisse heureux comme ça? Comment veux-tu qu'on s'en sorte ensemble? Il y a un moyen, Mélissa. Pas de signe de Félix ni de Mélissa dans la clinique. Et c'est pareil dans toutes les autres cliniques. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Bien sûr. Vous connaissez une clinique ou un hôpital? Mais oui, bien sûr, il y a un centre médical pas très loin d'ici, derrière ces bâtiments. Merci beaucoup. De rien. Allons-y. Ne pleure pas. C'est juste que j'ai du mal à croire qu'on soit enfin réunis. Si ça n'était pas arrivé... Je pense que j'aurais passé tout le reste de ma vie à m'en vouloir à jamais. Mélissa, tout est fini. Il faut que tu penses à notre futur maintenant. Il faut que tu penses au futur de notre famille. Hein? Il va falloir qu'on s'en aille. Tu penses pouvoir marcher? Je n'ai qu'à penser à Eva et ça m'aidera à marcher. D'accord. Mais je veux que tu sois reposée avant qu'on parte. Je vais aller chercher quelque chose à manger pour que tu reprennes tes forces. Ne bouge pas. Je viens avec toi. Quoi? Non. Non, je reviens vite, repose-toi. Poisson frais! Qui veut mon poisson frais? Hé! Hey, fais attention! Excusez-moi, je suis vraiment désolée! Eh ben, c'est gentil d'être désolée, ça va pas sauver mon poisson, ça!
Félix, Félix, j'ai croisé des policiers en revenant ici. Je pense qu'ils vont venir inspecter la clinique. Comment ? La police ne doit pas me retrouver. Je ne veux pas retourner en prison. Je ne veux pas qu'ils me séparent de toi et Eva. Je ne veux pas que ça t'arrive non plus, Félix. Écoute, il faut absolument qu'on s'échappe d'ici. C'est le centre médical, monsieur. Souvenez-vous bien de mes instructions. Je ne veux qu'aucun mal ne soit fait à Mélissa. Mais je veux voir Félix mort. Bien sûr, monsieur. Allons-y. Je sais que cet homme est un criminel. Rendez-vous, car la police arrive. Laissez-nous passer, bon sang. Mélissa. Arrêtez! Rendez-vous maintenant! Rendez-vous! Arrêtez! Va par là. C'est par là. Alors, trouvez-les. Monsieur, vous les avez vus? Ils sont par là. Ah, merci. C'est d'accord. Je ferai les préparations. Ne t'inquiète pas, je te remercie. Bye. Kenneth, je viens d'avoir un de mes amis au téléphone et il possède un ranch. Et il est d'accord pour aider Félix et Mélissa. C'est vraiment une très bonne nouvelle, ma tante. Mais Félix ne nous a toujours pas appelés. Je sais. Et ça m'inquiète beaucoup. Kenneth, dis-moi, qu'est-ce qui nous empêche d'aller le rejoindre à Batangas? C'est compliqué. Mamie, est-ce que je peux aller voir maman? Oh, je suis désolée, ma chérie, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Reste ici et sois sage. Et je te promets que dès que je reviendrai, tes parents seront avec moi. D'accord? Allez, viens. Fais-moi tu confiance. Tu dois vraiment me le promettre. Je te le promets. Il faut que tu ramènes papa et aussi maman. Et moi, je resterai sage ici en t'attendant. Sois une gentille fille, d'accord? Allez, mange. Kenneth, allons-y. On les a perdus de vue, monsieur. Vous n'êtes vraiment que des bons à rien. Trouvez-les. Trouvez-les vite. Ça sert à rien, arrête. Me touche pas. Oh, ne me touche pas, tu m'entends? Allez, avance. Arrête. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Lucio?
Je sais très bien ce que tu as fait à Rosanna maintenant, lors de votre dernière rencontre. Et je sais aussi que tu as aidé Félix Rastro. Mais Lucio, tu sais très bien que ton fils a perdu la tête. Et je sais que tu n'as rien à voir avec Roberto, alors ne le laisse pas te manipuler. Pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Tu ne fais pas partie de cette famille, tu nous as juste fait croire que vous étiez mariés. Alors dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance à toi et non à Roberto? Tu n'as aucune idée de ce qui ne tourne pas rond chez Roberto. Il est en train de devenir complètement fou. Il a fait subir des tortures à cette pauvre Mélissa. C'est lui qui doit être en prison. Arrête! Lucio! Tu ne causeras plus de problème à mon fils, c'est bien compris? C'est bien compris? Hein? Oui, mais je ne peux plus respirer. Je passe l'éponge pour cette fois. Mais je te préviens. Si tu recommences à mettre tes sales pattes dans les affaires de Roberto, je n'ai pas besoin de te faire un dessin, n'est-ce pas? Faites attention, allez. Merci beaucoup. Merci pour votre aide, monsieur. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Nous n'oublierons jamais tout ce que vous avez fait pour nous. Voici pour vous. Prenez-la, je vous en prie. Oh non, gardez-le. Gardez-le, je ne veux pas. Mais si, allez, prenez. Nous vous l'offrons, je vous en prie. Si vous insistez, alors j'accepte. Merci. Faites bien attention à vous. Merci. Vous allez nous suivre maintenant. Ne faites pas d'histoire et suivez-nous. Non, arrêtez, laissez-moi tranquille. Venez avec nous. Ne faites pas d'histoire, suivez-nous. Ne me touchez pas. Laissez-nous. Messieurs, ne faites pas de mal à Mélissa, s'il vous plaît. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Attendez. Quoi? S'il vous plaît. Attrapez-les! Plus vite! Montez! Vite! Entrez! Hé, hey, dépêchez-vous! Mélissa! Si vous n'étiez pas si stupide, il ne se serait pas échappé! Alors on n'a qu'à les suivre jusqu'à Manille. Tu crois vraiment que Félix serait aussi stupide? Dis-moi, et s'il quitte le pays? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, moi, sans Mélissa? Alors dites-nous ce qu'on doit faire, monsieur. Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous avez aidés? Nous sommes les gardes du corps de l'ami de votre mère. C'est elle qui nous a demandé de venir vous récupérer in extremis. Elle vous attend dans un ranch pas très loin d'ici, on y va. Alors Amorcita ne nous a jamais abandonnés. Je te dois tellement de choses, Félix. Après tout ce que je t'ai fait subir en plus. Tu es toujours là pour m'aider. Mais c'est normal, Mélissa. Le plus important maintenant, c'est de rentrer. Et de revoir Eva. Elle m'a tellement manqué, ma petite chérie. Je voudrais la voir dès à présent. Notre fille chérie me manque aussi. Mélissa ne peut pas partir sans moi. Il faut qu'elle revienne. On doit se remettre ensemble. Je dois arriver à Manille avant eux. Ça doit être Félix. Oui, c'est lui. Félix, comment tu vas?
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, tout va bien, Morsita. Je te remercie tellement, on n'aurait jamais pu s'en sortir sans toi. Écoute, Félix, j'ai réussi à parler avec quelques-uns de mes amis et ils peuvent te faire sortir du pays dès que possible. Non, je ne peux pas partir. Pas sans Mélissa ni Eva. Allons-y. Amorcita. Je te remercie pour ton aide. Et je te demande pardon pour tous les problèmes que j'ai pu créer. Je suis vraiment désolée. Mélissa, j'essaie de rester gentille, et c'est surtout pour Félix. Mais je suis désolée. Je n'accepterai jamais tes excuses. Rien de cela ne serait arrivé si tu n'avais pas porté plainte contre lui. Si tu ne l'avais pas laissé emprisonner. Amorcita. Non, laisse-nous parler entre femmes. Mélissa, est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu as fait? Non seulement tu as fini par ruiner son avenir, mais aussi tu as réussi à ruiner sa vie entière. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il s'est échappé. Il s'est évadé de prison pour toi, Mélissa. Malgré le mal que tu lui as fait, il n'a pensé qu'à toi. Je suis bien consciente de tout ça, Amorcita. Je me rends bien compte que tout ce qui nous arrive est entièrement de ma faute. Et si j'avais la possibilité de retourner dans le passé, j'empêcherais toutes ces choses de lui arriver. Mais c'est trop tard. Félix est constamment en danger. Et il n'y a pas que Roberto qui lui en veut, la police aussi le cherche. Mélissa, j'espère que tu te rends bien compte à quel point mon fils est amoureux de toi. J'espère que tu le sais. J'ai toujours tout fait pour essayer de t'écarter de lui, mais je n'ai jamais réussi. Et tout ça n'a pas empêché que tu ruines la vie de Félix. Allons-y. Alors, est-ce que Roberto a appelé? J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répond pas. Je suis inquiète. Et si jamais Félix lui avait fait du mal, alors? C'est Roberto. Oui, Roberto. Allô, papa? Il faut que tu m'aides. J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Je me suis associé à la police pour essayer d'attraper Mélissa et Félix. Écoute-moi bien. J'ai un autre moyen pour les attraper. Mais il faut absolument que tu m'aides. Et comment comptes-tu t'y prendre? Dis-moi, Lucio, qu'est-ce que Roberto t'a encore raconté? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses encore? Tu vas bientôt le savoir. Attends un peu, comment ça je vais le découvrir? Tu dois me le dire maintenant. Pourquoi tu ne veux rien me dire? On en reparlera plus tard, d'accord? Je dois y aller. Lucio, je n'attendrai pas. Je veux savoir ce qu'il t'a dit maintenant. Allons-y, j'ai un rendez-vous important. Lucio! Tu devrais pas rester ici à attendre maman et papa avec moi. Eva, j'essaierai de revenir demain. J'espère vraiment qu'ils vont bientôt rentrer à la maison. Tu sais, ma princesse, je prie pour ça aussi. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tes parents soient vite de retour. C'est le meilleur que je te souhaite. Tu sais que je suis un peu responsable dans tout ça. Alors j'espère que tout s'arrangera et que je serai pardonnée. Pour qu'on puisse tous devenir une très grande famille.
s'arrête un peu là-bas, regarde. Il y a une voiture qui vient de se garer, je suis sûre que c'est eux. Félix. Je suis tellement heureux. Après tous les sacrifices que j'étais obligé de faire, je peux enfin me retrouver seul avec toi. On s'est enfin retrouvés. Je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait, Félix. Je t'ai tellement maltraité et pourtant, tu as quand même choisi de me pardonner. Je te le promets, Félix. Je ferai tout ce qui est possible pour qu'on ne soit plus jamais séparés, toi et moi. Je vois que tu es pressée de revoir Eva. Je suppose qu'elle aussi est pressée. Alors viens, allons-y. Mélissa. Mélissa, heureusement que tu es là. Je ne sais vraiment plus quoi faire du tout. Pourquoi, ami? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un peu où est Eva. C'est pour ça que je réagis comme ça, en fait. Ami? Qu'est-ce qui est arrivé à Eva? Où est-elle passée? Des hommes armés sont venus la kidnapper. Tu as préparé ce que je t'avais demandé? Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser, mon fils. Merci. Roberto. Maman? Je suis tellement heureuse de te revoir sain et sauf. Sortez-la de la voiture. Lâchez-moi! Le gouverneur est impliqué dans tout ça, je le sais. Mélissa, je suis vraiment désolée. Maman, papa! Eva, lâchez-la! Lâchez-la! Arrêtez! Lâchez-moi! Eva! Eva! Il n'y a qu'une personne qui peut se cacher derrière tout ça. C'est Roberto. Laissez-moi rentrer à la maison, je vous en supplie. Je veux voir mon papa et aussi ma maman. Je veux rentrer à la maison, je veux pas rester ici. Ne t'en fais pas, Eva. C'est seulement ta mère que je veux. Pas toi, mais je vais me servir de toi pour la récupérer. Je ne pourrai jamais la récupérer. Papa, il la laissera pas, il la protégera. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais quoi? Si je n'avais pas besoin de toi, je t'aurais déjà réduite en pièces, tout comme ta grand-mère. Tu me comprends? Hein? Roberto, s'il te plaît, ne lui fais pas mal. Emmenez-la à l'intérieur. Lâchez-moi! Reposez-moi par terre! Laissez-moi tranquille! Arrêtez! Qu'est-ce que tu comptes faire avec elle? Dis pas que tu vas te rendre. Félix, Roberto ne s'arrêtera jamais de nous faire du mal tant qu'il ne m'aura pas récupéré. Tu ne peux pas retourner vers lui comme ça. Ce sera dangereux pour toi et tu mettras la vie d'Eva en danger. Et qu'est-ce que je devrais faire d'après toi? Je ne peux pas rester ici les bras croisés tout en sachant que Roberto m'a fichéri en otage, je ne peux pas.
Je vais essayer d'arranger ça. D'accord, mais laisse-moi t'aider. Non, Félix, tu restes ici avec Mélissa. La police va te tomber dessus si tu sors. Je ne veux pas que cela arrive. Je vais aller chercher Eva. Alors sois prudente. Tonton Roberto, je t'en supplie, ramène-moi à la maison. Je t'en prie, allez, tonton. Tu vas la fermer? Vas-y, ouvre la bouche. Ouvre bien grand. Tu crois vraiment que quelqu'un va te sauver? Personne ne viendra te sauver, sale gamine. Je vais récupérer ta mère et tuer ton père. Compris? Madame, je vous prie de partir. Le gouverneur dort. Je n'en ai rien à faire. Ah, Madame Ophélia. Messieurs, partez, je m'en charge. Il est tard, que venez-vous faire ici? Vous savez très bien ce que je viens faire ici. Alors, où se trouve votre fils? Dites-lui de ramener ma petite fille, et dites-lui de se dépêcher. Je veux qu'il me rende Eva. Ophélia, qu'est-ce que vous racontez? Vous insinuez que nous aurions kidnappé Eva? Oui. Parce que quelqu'un vous a vu quand vous avez capturé Eva. Alors dépêchez-vous de me la ramener maintenant. Et si vous osez refuser, je vais vous attaquer en justice pour kidnapping. Vous devriez vous calmer. Vous n'êtes pas chez vous ici, Ophélia. Vous êtes dans notre propriété, madame. Et ça serait dommage que vous soyez abattue pour violation de domicile. Vous ne pensez pas? Et qui plus est, votre petite fille n'est pas ici. Nous ne l'avons jamais kidnappée. Et puis vous avez déjà oublié. C'est votre famille qui est composée de criminels et non la nôtre. Après tout, votre neveu est un violeur qui s'est échappé de prison. Vous pouvez traiter mon fils de criminel si vous voulez, mais il n'a rien à voir avec votre crapule de fils. Votre fils est un homme libre, qui fait du mal autour de lui. Comment avez-vous pu le laisser devenir un tel homme? Arrêtez votre cirque. Avant que je ne perde tout le respect que j'ai pour vous. Nous ne savons même pas de quoi vous parlez. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez ici. Dénoncez plutôt votre neveu Félix à la police. C'est la seule façon de mettre fin à cette histoire. Vous pensez que je vais faire ça? Puisque vous répondez au moindre désir tordu de votre fils, il n'y a aucune raison que je ne fasse pas pareil pour Félix. Je n'en ai pas terminé avec vous. Allez, lâchez-la. Lâchez-moi! Mais laissez-moi tranquille! Allô? Allô? Mélissa, ça me fait plaisir de t'entendre. Est-ce que je t'ai manqué? Ça ne va vraiment pas dans ta tête! Roberto, comment est-ce que tu as osé faire ça, Eva? Tu veux retrouver ta fille en vie, non? Alors reviens avec moi. Et si tu fais ça, je te rendrai ta petite fille saine et sauve. Pitié! Je t'en prie, ne fais pas de mal à Eva. Laisse-la en dehors de tout ça, je t'en prie. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez, je veux rentrer chez moi. Eva, ma chérie! Oh mon Dieu! Laissez-moi, laissez-moi, non! Tu l'as entendu, Mélissa? Ta pauvre petite fille. Roberto, je t'en prie, ne fais pas de mal à ma fille, chérie. Je ferai tout ce que tu veux, je t'en prie. Je ne la libérerai pas, tant que tu ne seras pas là. Roberto, espèce de lâche, viens un peu ici. Tu sais, tu n'as qu'à me rendre, Mélissa. Sinon, je tue votre fille. Je te jure que je la tuerai. Tu es devenu fou. Roberto, je suis désolée. Ne l'écoute surtout pas. Ne t'occupe pas de Félix. Dis-moi où est-ce que je dois venir, je serai là tout de suite. Non, mais tu sais bien que je ne suis pas quelqu'un de méchant.
mais n'essaie surtout pas de m'embobiner, Mélissa. Dépêche-toi et viens toute seule. Je te préviens, si tu ramènes quelqu'un, je ne garantis pas la vie de ta fille. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous en supplie, lâchez-moi! Félix. Félix, je suis désolée. Et j'espère que tu me pardonneras. Mais il faut absolument que j'aille rejoindre Roberto. C'est le seul moyen de sauver notre fille. Je ne te laisserai pas y aller. Je viens voir Roberto. Avec toi, et je lui demanderai... de nous rendre Eva, je vais le forcer. Mais non, tu n'as rien compris, Félix. Il faut que j'aille voir Roberto. Je suis la seule qui puisse sauver notre fille. Il n'y a que moi qui puisse faire ça. Écoute-moi. Écoute-moi, Mélissa, tout ce que Roberto essaie de faire, c'est te faire tomber dans son piège. Je suis sûre qu'il ne te rendra pas Eva. Il faut que j'y aille et que je la récupère. Écoute-moi, Félix. Roberto est devenu fou. Il va la tuer si je refuse. Tu veux vraiment qu'elle meure parce que tu es têtue? Je suis la seule chance d'Eva. Félix, je t'en prie. Famille, c'est vous deux. Je ne veux pas que tu te mettes en danger comme ça, inutilement. Ne t'inquiète pas, Mélissa. Je suis sûre que tout va s'arranger. Félix, je ne peux pas mettre Eva en péril pour ça. Si c'est le seul moyen de récupérer Eva, que je me rende à Roberto, tu peux être sûre que je le ferai. C'est la seule façon de sauver notre fille. Allô? Roberto, où es-tu passé? Je suis exactement là où tu m'as demandé de venir, alors où est-ce que tu es? Où est passée Eva? Tu la verras bien assez vite. Reste là, j'ai encore quelque chose à faire. Maman! Oui, tu la verras bientôt, mais tu ne vas pas la reconnaître. Asperger la décence. À ce que je sache, tu n'es plus un membre de cette famille. Rosanna, je suis venue pour m'excuser, c'est tout. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. J'espère vraiment que tu vas me pardonner. Tu sais quoi, Rebecca? Je t'aimais vraiment beaucoup. Mais tu m'as déçue, et je n'ai pas envie de perdre plus de temps avec toi. Tu as trahi cette famille, et moi avec. Je ne veux plus jamais te voir. Eva! Eva! Maman! Tout va bien aller. Papa! Papa, sauve-moi, je t'en supplie! Je savais bien que tu finirais par venir. Roberto! Allez, ligote-le. Vous voulez que je le tue? Papa! Roberto! 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 Où est-ce que tu as caché Eva? Je suis tellement content que tu sois là. Roberto, je ne suis venue que pour honorer notre accord. Tu m'avais promis de la libérer si jamais je venais, et je suis là. Je vais te la montrer. Surprise. Ah, oh, Roberto, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Roberto, lâche-moi! Je veux juste la voir. Calme-toi, je vais te montrer ta fille. Roberto, arrête de jouer avec moi! Suis-moi, suis-moi, ça ira très bien. Alors comme ça, tu veux la voir? Ou les voir? Roberto! Surprise! Voilà ta fille, et aussi ton grand amour. Félix! Roberto! Roberto, ne fais pas ça, je t'en prie, libère-la! Oh, je t'en prie, ne fais pas ça, lâche-la! Vas-y,
Choisis maintenant. Tu choisis qui? Eva? Ou bien Félix? Maman! Roberto! Roberto, tu ne peux pas me faire ça! C'est ma famille! Comment veux-tu que je fasse? Dis-moi si tu veux sauver! Dis-le-moi! Tout de suite! Tue-moi! Pitié, tue-moi! Et laisse-les vivre! Non, Mélissa! Tu dois choisir qui? Hein? Dis-moi! Écoute, Mélissa, il faut que tu... Il faut que tu sauves Eva, je t'en prie. Il faut que tu sauves Eva. Tu as entendu? Ta fille est la plus importante, tu n'es pas d'accord? Notre fille a déjà trop souffert. Fais ton choix et vite. Tu ne peux pas faire ton choix. D'accord, vas-y, vas-y. Tu l'as. Roberto, arrête! Non, je t'en prie! D'accord, je vais choisir, c'est bon. Relâche Eva, je t'en prie. Je t'en supplie, Roberto, relâche-la. Pitié, ne lui fais pas de mal. Allez, relâche-la. Allez, c'est bon. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Fais attention. Je suis venue pour vous prouver que vous pouvez me faire confiance. Je ne me mêlerai plus jamais des affaires de Roberto, c'est promis. Je me suis rendu compte des erreurs que j'ai commises. Lucio, Rosanna, pardonnez-moi. Tu as déjà causé assez de problèmes depuis que tu as choisi de protéger Félix. Nous ne sommes pas sûrs que tu sois digne de confiance maintenant. Il vaudrait mieux pour toi que tu t'en ailles maintenant. Et tu devrais ramener toutes tes affaires avec toi aussi. Parce que je ne veux plus voir aucune preuve de ta présence dans cette maison. Il faut que tu sauves Eva. Eva, ma chérie, maman, ça va. Oh, regarde-moi. Oh, mon ange. Maman est là. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Maman va s'occuper de toi. Je serai toujours là pour toi, d'accord? Oh, mon cœur, tu m'as manqué. Allez, allez, c'est bon. On y va, allez, on y va. Félix, allez-y. Je suis désolée. Occupez-vous de lui. Ne te retourne pas, Mélissa, avance. Félix, avancez, avancez. Mélissa! Mélissa, je suis désolé! Mélissa! 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 Mélissa, je ne voulais pas! Mélissa, je suis désolé! 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 Je suis désolé! Félix! Espèce d'ordure! Félix! Ils sont cachés, Eva. J'ai été voir dans le grenier, mais elle n'est pas là non plus. Rebecca? Ce n'est pas ta chambre, il me semble. On peut savoir ce que tu fais. Je voulais fermer la porte parce qu'elle était restée ouverte. Je vais aller dans ma chambre pour ranger mes affaires et les rapporter.
Viens par là, toi. Non, lâchez-moi, lâchez-moi, allez, lâchez-moi. Tais-toi. Mais qu'est-ce que cette gamine fait ici? Je pensais que Roberto devait se charger de l'éliminer. Roberto m'a demandé de la ramener ici, car il est parti emmener Mélissa à l'hôpital directement. Mélissa a pris une balle dans le dos. Quoi? Je m'en occupe en attendant que Roberto m'appelle. Bien, monsieur. Lucio, Rosanna, pourquoi est-ce qu'Eva est ici avec vous? Il me semblait avoir dit de ne plus te mêler des affaires de cette famille. La dernière fois que je t'ai vu, c'était juste parce que tu voulais récupérer tes affaires, pour débarrasser le plancher. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Prends tes affaires et va-t'en. J'ai besoin d'un sac plus grand, ma valise est trop petite. Est-ce que vous en auriez un pour moi? Oui, on en a un dans le grenier. J'en mettrai un dans ta chambre. Et je veux que tu quittes cette maison immédiatement. Si tu ne veux pas nous aider, essaye au moins de ne pas nous causer de problème. Est-ce que tu m'as bien compris? Alors s'il te plaît, évite de revenir ici ou bien je te jure que je te montrerai à quel point je peux me mettre en colère. Est-ce que tu as bien compris ça? Papa, il faut que tu gardes la gamine chez toi. Au moins le temps que Mélissa sorte de l'hôpital. Est-ce que vous pouvez vous occuper d'Eva? William va venir nous aider. Papa, il faut aussi que tu saches quelque chose. Je suis désolé. Mais Félix s'est échappé. Je ne sais pas où il est allé. Ok, papa. Je dois y aller. Je vois le médecin de Mélissa qui arrive. Docteur? Oui, monsieur. Comment se porte Mélissa? Mélissa va bien maintenant. Nous lui avons transfusé suffisamment de sang et nous avons réussi à extraire la balle. Actuellement, elle est en soins intensifs et maintenant elle sera au calme, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci docteur. Je dois vite trouver une solution. Il faut que j'arrive à sauver Eva et Sébastien et à sortir Mélissa de l'hôpital. Je suis content de voir que tu vas t'en sortir. Tu n'en serais jamais arrivé là, sans ce fou de Roberto. Je te jure que je te sauverai de l'emprise de ce sale type. Je te le jure. Je te sauverai et je t'emmènerai loin d'ici. Et nous serons tous réunis avec Eva. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne pouvez pas rester. Je suis de la famille. Vous pourrez lui faire des visites dans 2 ou 3 heures, quand elle aura été transférée. Bien. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être là. Cette partie de l'hôpital est réservée au personnel uniquement. Excusez-moi. Vous pourriez peut-être m'aider. Je vous remercie. Ah, une personne de la famille de madame est venue la voir il y a quelques heures. Nous lui avons dit de revenir quand elle aura été transférée. Quelqu'un de sa famille? Mais je suis la seule famille qu'elle ait. Qui était cet homme alors? Il disait être de sa famille. Ah, ok. Je vois, merci. Au revoir.